Il n'y a pas de réveil spirituel sans changement de mentalité. Ça n'existe pas. Quand le Seigneur est venu, on n'avait jamais vu auparavant quelqu'un qui appelait Dieu son Père. Il a dit aussi, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, moi, je vous dis, si quelqu'un vous gifle, donnez l'autre joue. Avant, un homme pur ne pouvait pas marcher avec des hommes impurs. Quand il est arrivé, c'est ce qu'il a fait. Et il a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Donc, il y a tout un changement de mentalité qui vient. Maintenant, pour revenir à la question, c'est quoi pour vous un chrétien d'abord? C'est ça, il dit.